Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et dans cette vidéo, vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les variantes des skins. Alors ici donc, quand vous êtes dans base de combat, vous allez vers le bas et ici il y a défi de style. Alors pour chaque personnage, vous avez des défis à réaliser. Par exemple, celui-là, ben, il suffit juste d'acheter le pass. Ensuite, pour débloquer celui, la variante numéro 1, il faudra atteindre le niveau 50. Ensuite, le niveau 100 pour la dernière personnalisation, la dernière variante. Alors, il y a aussi Aquaman, voilà. Il y a aussi Aquaman à débloquer. Mais là, il va falloir accomplir tous les défis d'Aquaman, donc il y en aura 5 et les 5 elles sont affichées ici. Donc voilà, ici. Donc dans 29 jours exactement, on pourra débloquer le skin Aquaman. Ensuite, il va falloir faire des défis pour réaliser, pour débloquer la variante Aquaman comme ceci, comme vous la voyez en or. Ah non, vous la débloquerez directement comme ça, en or avec des écailles. Et ensuite, pour débloquer cette version-là, donc en humain, on va dire, ben il va falloir plonger au-dessus de la cascade de la gorge grandiose en portant la tenue d'Aquaman normale, quoi. Donc, on ne pourra pas réaliser, débloquer cette variante tant qu'on n'aura pas débloqué cette variante-ci. Voilà, franchement, il est assez stylé. C'est la variante secrète, enfin c'est le skin secret de la saison 3 de Fortnite. Donc voilà, je trouve qu'il est quand même pas mal. Alors ensuite, vous allez pouvoir débloquer ces variantes-ci, donc de Océane. Donc il y a Océane déferlante, donc il va falloir accomplir les défis de la semaine 1. Il va falloir en accomplir 5. Ensuite, il y a cette variante, donc Océane Creek. Et là, il va falloir accomplir les défis de n'importe quelle saison, n'importe quelle semaine, il va en falloir en compléter 10. Alors ici, nous avons Jonesy le plongeur. Pour débloquer la première variante, pour le débloquer, c'est palier 20. Ensuite, pour débloquer la première variante, c'est accomplir les défis de la semaine 3. Donc, dans deux semaines, on aura les défis de la semaine 3. Et ensuite, accomplir les défis de n'importe quelle saison. Et là, il va falloir en accomplir 20. Alors ici, nous avons Julie qui est débloquable au palier 40. Pour débloquer Julie soudeuse, il va falloir accomplir les défis de la semaine 5. Donc, il va falloir en accomplir 5. Ici, pour Julie en nombre, que je trouve très stylé, il va falloir atteindre le palier niveau 40, normal, et accomplir les défis de n'importe quelle semaine. Donc, il va falloir en accomplir 30. Alors ici, nous avons le kit qui est débloquable au palier 60. Et nous devrons, pour cette variante, donc un peu variante Hello Kitty, je trouve, il va falloir accomplir les défis de la semaine 6. Il va falloir en accomplir 5. Et pour la dernière variante, il va falloir, donc la variante kit survolté, il va falloir accomplir les défis de n'importe quelle semaine. Il va falloir en accomplir 40. Alors ici, nous avons le skin Sonia, qu'on débloque au palier 80. Et pour avoir la variante Sonia Nova, il va falloir accomplir les défis de la semaine 7. Et ici, accomplir les défis de n'importe quelle semaine, il va falloir en accomplir 50. Ensuite, nous avons la chevaleresse éternelle, que vous allez pouvoir débloquer au palier 100. Voilà. Et pour débloquer la chevaleresse éternelle en noir, il faudra accomplir les défis de la semaine 9. Et pour avoir la chevaleresse éternelle dorée, il faudra accomplir les défis de n'importe quelle semaine et il va falloir en compléter 65. Donc ça équivaut plus ou moins à 6, plus à 7 semaines de défis. Donc à partir de la semaine 7, vous pourrez débloquer ce skin là logiquement. J'ai calculé 10 défis par semaine. C'est peut-être 9, c'est peut-être plus, je ne sais pas.
Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était sur CoolMec et ciao. Peace.